et messieurs, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de votre émission Ranka sur MyAfrica TV. Cet après-midi, nous allons aller à la rencontre de messieurs Effaragan qui va nous donner naturellement son avis sur son art. Oui, c'est un artiste qui a pris le temps de bien travailler, un artiste qui est habité par une expérience qui n'a rien à voir avec son nombre d'années passées dans l'art. Il a dit, nous allons nous rencontrer bien sûr au rond-point Maïtu Bonamou Sadi. Here is the place where we are, we have to do with Mr. Effaragan. Suivez-nous chez lui pour ses impressions. On récolte à présent. Il nous attend sur un banc, banc public. Ah. Et pour appeler les clients, c'est quoi? Alors là, c'est un doigt qu'on voit en l'air. Ça rend ceci. Comme ça, c'est marché central. Comme ça, c'est Ndokoti. Comme ça, là, c'est quoi? Comme ça, c'est quoi? Et Effaragan, c'est mon nom, ça a été un peu demandé de parmi vous ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Effaragan, bon après-midi, bonjour, comment tu vas? Bonjour, Ashton. Ouais. Faut qu'on fasse la collade quand oh, même. Ouais, naturellement. C'est un réel plaisir de te retrouver, c'est un réel plaisir de t'avoir parce que ce n'est pas du tout facile. Rappelons que tu as un agenda assez chargé. Le plaisir est partagé, frère. Ouais, nous sommes également, merci déjà d'avoir cet autre rendez-vous. Nous sommes bien sûr ici au rond-point Maïtu Bonamou Sadi. Je ne sais pas si tu te sens à l'aise, debout ou assis. Oh, c'est tranquille. Les choses vont à l'image du pays. Voilà. Naturellement, il faut rappeler que l'émission c'est Ranka, c'est du free. Il n'y a pas trop de protocole, on ne se casse pas, on est free. On sent à l'aise. On s'assoit ou on reste debout? Bon, de toute façon, je crois qu'on va s'asseoir. Ok. Je ne vais pas vous demander de vous asseoir. Okay. On va s'asseoir naturellement. Ok. Alors, mesdames et messieurs, vous avez remarqué, nous sommes bien sûr avec l'artiste en question. Ce n'est pas un benguiste, non, c'est un Camerounais qui vit au Cameroun et qui fait tellement très bien son art. Il ne va pas, je ne vais pas vous dire qu'il a un partenaire qui l'habille. Je ne vais pas vous dire également que lui, il demande les habits chez les collègues pour mettre, afin de remettre après. Tout ce qui est sur lui, c'est essentiellement Effaragan. Effaragan, will please to see you. Comment tu vas? Je vais super bien, frérot. Je vais super bien. Je vais déjà saluer les nombreux téléspectateurs qui nous regardent justement à travers MyAfrica TV. Ouais. Une chaîne qui monte en puissance. Tout à fait. Et qui se doit d'être soutenue par les artistes que nous sommes. Tout à fait. C'est vrai que, compte tenu de la période Covid-19, ouais. Un truc qui danse, qui part, qui revient, et tout. On est obligé de faire comme ça. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas facile. Je suis déjà très heureux de faire partie des vôtres. Ouais. Et je crois que l'entretien, j'ose croire que l'entretien se passera dans les meilleures conditions. Très bonnes conditions parce que c'est rare de trouver aussi des personnes vraies comme toi. Parce que je vais dire, sans vouloir faire de la talakou, c'est un artiste qui ne fait pas dans l'hypocrisie. C'est un artiste qui sait voir ce qui est bien. Il ne va pas par l'émotion comme font souvent les autres. Bon, Effaragan, nous allons aller directement, ce n'est pas une guerre, mais c'est qu'il faudrait que chacun ait ce qu'on appelle le fac. Bon, nous sommes aujourd'hui dans un monde habité ou encore dans un monde dans lequel nous sommes plongés dans les réseaux sociaux. On va dire humour et médias sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? Humour et réseaux sociaux, si tu veux. Moi, je crois que Einstein, pour ceux qui me connaissent, j'ai presque 10 ans de carrière. Tout à fait. Professionnel. Quand on parle de professionnel, c'est... Ça voudrait dire qu'officieusement, tu as travaillé avant d'arriver à la carrière professionnelle. Parce que sinon, moi, j'ai dépassé la trentaine en âge. Justement. C'est-à-dire qu'un bon Camerounais ne donne jamais ton âge. Ouais, son vrai âge. Moi, j'ai dépassé la trentaine en âge. Je suis humoriste depuis la naissance. Ouais. Mais professionnellement parlant, je suis après presque 10 ans de carrière. Bon, quand tu parlais de l'humour... Oui, justement, je parle d'humour et médias sociaux parce qu'on a comme impression que c'est les médias sociaux qui viennent désormais dire qui est humoriste bon ou qui est mauvais humoriste. Non, moi, je crois que quand on parle d'humoriste et tout, le public n'est pas dupe. C'est vrai qu'il y a certains qui croient peut-être que je vois autant de jeunes qui se déguisent en femmes. Ouais. C'est vrai que c'est pas mauvais, mais ce qu'ils font aujourd'hui, d'autres l'ont fait. On a connu le grand frère Safari en Big Mami, qui faisait très bien. Ouais, très bien même. C'est vrai que de nos jours, on voit les jeunes qui croient que c'est en déguisant en femme,
bon, ils auront une notoriété. Ouais. Ouais. Ils trouvent leur compte, peut-être à travers le truc, on parle de chaîne de télévision, YouTube et tout. Bon, ça les engage et tout. Moi, je crois que ceux-là, on les attend sur le terrain. Ouais. On les attend sur le terrain parce qu'ils ne s'arrêtent pas à faire récemment au niveau de la télé et tout. Quand tu tends le micro, tu es incapable d'exprimer. De raconter une histoire qui peut même arracher le sourire à un public, même de 5 personnes et tout. Moi, je crois qu'il y a des gens qui se disent que. Et Ferragan, on te voit plus à la télé, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui disent qu'ils me voient plus à la télé, qui viennent nourrir ma famille. Justement. Moi, je crois que je suis là. Je suis là, justement. Je ne suis pas mort. C'est sur le terrain, on s'exprime. Ouais. Il y aura un temps. C'est vrai que les producteurs sont tellement rares. On écrit, ça fait presque 8 ans. Moi, j'écris. Maintenant, la production, il y a des femmes qui ont la chance d'être produites. Peut-être il y a des productions, on sait comment les femmes se produisent. Moi, je crois que les hommes éprouvent d'énormes difficultés pour trouver un producteur. Il y a les femmes aussi qui. C'est-à-dire que quand tu as des ouvertures, en effet. Oui, quand tu as des ouvertures et tout, quand tu brilles un peu à l'œil nu, tu vois, ça peut facilement te faire. Ah, donc, ce sont les ouvertures, en effet, ce sont les avantages. Bon, c'est vrai que. Yeah. Bon, maintenant je suis d'accord avec toi. Maintenant, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a comme impression que c'est les réseaux sociaux, les médias sociaux qui viennent donner finalement la visibilité aux artistes. Auparavant, nous avions la télévision. Doit-on dire que la télé n'a pas assez parlé comme les médias sociaux? Non. Moi, je crois que faut pas confondre les choses à Hutchinson. Moi, je crois que. Chaque chose a son temps. Ouais. Et les gens trouvent toujours leur compte. Il y a une société qui faisait le transfert d'argent et tout, qui n'est plus aujourd'hui parce qu'il y a une autre société téléphonique qui est venue faire disparaître. C'est-à-dire que il y a la révolution. Chaque chose a vraiment son temps et tout. Moi, je tiens un coup de chapeau aux aînés, comme les Fingon Tralala, les Tang et Condom, Professeur Ndiasso, Massa Yacob, les parents Cetamol, les Oga, ils sont nombreux. Les Moussa Jean Kalagan et tous les Mboma Hélicoptères. Moi, je les tiens. Les Criticos. Moi, je les tiens un coup de chapeau. Ils ne se sont pas fait connaître à travers les médias sociaux, comme tu te le dis. Il y a des gars qui ont arraché le buzz. Il y a un buzz qui peut durer peut-être 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, voire 1 an. Moi, je connais des artistes camerounais qui ont eu le buzz pour 1 an. Bon, ils ont tiré leur épingle du jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1 an, ils se sont battus, ils ont puisé l'argent dans le showbiz pour aller faire le commerce. Ce n'est toujours pas mauvais. Tout à fait. Moi, ça m'embête, tu vois, un peu quand un gars me dit que, mais gars, on te voit pas à la télé. C'est bien beau, il y a des gens qui veulent te voir à la télé. Justement. Mais moi, je tiens un coup de chapeau aux chaînes privées qui recrutent encore les humoristes et tout. Ouais. Parce que, gars, pour payer un humoriste ou peut-être un journaliste ou un animateur dans ces chaînes privées-là et tout, ce n'est pas aussi évident. Moi, je crois que à chaque spectacle où je vais, moi, je crois qu'il faut que je cogne fort là-bas pour avoir ma part de. Ma part de. De paye, de salaire, en fait. On dit comme ça. Non, je ne veux pas de contrat. De contrat, c'est-à-dire oui. Que si j'ai réussi à faire peut-être 50 personnes et tout, ces 50 personnes ne sont pas dupes. Là, en partant, je vais laisser mon numéro de téléphone. Justement, et tout. Après, on pourra m'appeler et tout. Moi, je blague pas en ce qui concerne. Ah, mais ce sont tous les contrats. Oui. C'est contrats que tu vas remplir, voilà. Franchement. Moi, je blague pas en ce qui concerne mes prestations. Moi, j'ai des gens qui me disent que mon petit, tu coûtes cher pour un truc de 10 minutes. Moi, j'ai souvent dit aux gens, au bout du fil, j'ai souvent dit aux gens au bout du fil que, gars, tonton, si tu trouves que là où tu m'as connu, je ne t'ai pas fait rire et tout, si tu trouves que c'est quelqu'un qui parle peut-être, qui a sa chaîne YouTube, qui te fera rire, mais tu n'as qu'à aller le prendre pour venir te faire rire et justement. Tout. Tu vois, moi, je crois que si tu es sûr de ce que tu fais, moi, j'ai souvent eu la chance, si, quand je n'ai pas un gombo, si je n'ai pas ce qu'on appelle le farotage, justement. Moi, ça ne me dérange pas trop. Le plus important, toujours, c'est de faire rire. Tu comprends ce que je dis? Le plus important, c'est de faire rire. D'ailleurs, rappelons que c'est tellement vrai ce que tu dis, puisque quand tu parviens à faire rire des personnes, ces personnes finissent de rire finalement au point d'oublier le farotage. Ça, je vous dis clair. Moi, c'est l'étude que j'ai eu à mener. Quand un artiste humoriste arrive sur une scène, ce n'est pas un danseur, ce n'est pas un faiseur de spectacle. Tu fais un spectacle en dansant, peut-être le jeu de corps, ça amène les gens à vouloir aussi imiter. Mais quand l'humoriste, un vrai humoriste, quand il arrive et qu'il est bien calé dans son numéro, je te rassure, il fait rire au point d'oublier même que tu l'es retiré pour aller faroter.
Hutchinson, moi je crois que c'est vrai que il y a aussi un public dupe. Oui. C'est-à-dire que, mais comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas longtemps tromper le peuple. Ça c'est clair. On ne peut pas longtemps tromper le peuple. Moi je crois que il y a des collègues. Mmh. J'ai des collègues qui font l'humour, qui font la menuiserie, qui font la maçonnerie, qui font le commerce au marché. Mmh. Tu vois un peu, que aux heures ils vendent les habits et justement. Tout. Moi, je vis de l'humour, ça fait plus de 10 ans. Essentiellement. Essentiellement de l'humour, ça fait plus de 10 ans. Mmh. Et puis je suis très fier. Je suis très fier. Si j'ai un blouson comme le blouson que je porte et tout, je ne vais pas dire que peut-être j'ai trop. C'est un blouson qui m'a coûté plus de 25 000 et tout. Justement. Ce n'est pas l'agent de la menuiserie qui a acheté ce blouson. C'est l'agent de l'humour qui a acheté ce blouson. Tu comprends un peu, frère? Justement. Donc moi, je n'ai rien contre ceux qui se font découvrir à travers peut-être les réseaux sociaux. Mmh. Mais moi, j'ai mon coup de gueule. C'est sur le terrain, on les attend. Justement. Si tu fais sur les réseaux sociaux là-bas, viens sur le terrain, qu'on se tamponne sur le terrain pour vraiment dire que tu es mauvais et tout. Moi, je crois que au Cameroun, quand même, peut-être l'humour aussi est à l'image du pays. Du bon, pays. On doit se poser la question maintenant, Efferragan. Entre contrat, entre salaire payé et farotage, l'humoriste vit de quoi? Moi, je crois que l'humoriste, un vrai, doit vivre des contrats, des cachets. Voilà. Parce que le farotage, c'est un bonus. C'est un bonus. Moi, j'ai souvent, lors de mes prestations et tout, quand je sors d'une prestation et tout, je peux ne rien avoir sur la scène. Mais après la scène, j'ai des tontons qui me disent que mon petit, je ne pouvais pas me lever et tout. Voici peut-être un 10 000 francs. Moi, j'ai eu ça et tout. Moi, j'ai eu ça. J'ai des vénères qu'après une prestation et tout, tu es en train de dire qu'ils te trouvent dehors, tu es en train de vouloir fumer une cigarette et tout. Et mais fais ça, sont frangins et tout. Ils sortent quelque chose, ils te donnent. Moi, j'apprécie plutôt des gens comme ça. Ouais. Parce que souvent, si tu parles d'aller faire peut-être dans un quartier comme Bilongue, on voit que peut-être tu as peut-être 30 000 francs en 500. Ouais. Et, mais quelqu'un croit peut-être que c'est 500 là, que ça pourrait faire 500 000. Tu vois, c'est dans ça les gars vont te prélever. Et, oh, grand sûr, Watendjanga du quartier. Alors, un monsieur de 40 ans va taper, oh, Watendjanga du quartier et tout. Tu vois, tu te retrouves en train d'enlever peut-être 1000 francs ou 2000 francs dans les 500 que tu as dans la salle et tout. Donc, moi, je crois qu'un artiste doit vivre de ses cachets, de ses cachets. Le gombo de scène qu'on appelle Fartage et tout, ça vient, moi, je crois que ça vient en bonus. Ça vient en bonus. Bon, nous avons connu aussi un moment où les humoristes étaient essentiellement focalisés dans la rue. Je vous l'ai dit, à chaque fois, ils étaient en train de se masquer, charbon et tout, veste, pour aller là où on brasse du poisson. Je veux dire, la faute masse était concentrée dans la rue. C'est vrai qu'il y avait quelques maigres personnes à la télé, mais il y avait la forte concentration, trouver son compte dans la rue. Maintenant, à côté de ça, nous avons également une génération qui est partie maintenant de la rue et a refusé de faire la rue, et qui, par ricochet, sont plutôt en train de s'inviter dans les événements. Suis bien ma position. Je te suis, je te suis. Ils ont abandonné la rue. Est-ce que il n'y a pas une sorte de bouffonnerie confondue dans ça? Parce que comment comprendre qu'une personne qui a roulé sa bosse dans la rue n'ai pas compris que non, à un certain moment, je ne serais plus en train de présenter la même image que j'avais hier ou aujourd'hui. Non, moi je crois que c'est pas la bouffonnerie. C'est pas la bouffonnerie. Moi je dis souvent que le président Paul Biya, on ne peut pas être. Il y a des gens qui disent que c'est pas ça. On ne peut pas être négatif. Il faut aussi tirer le bon côté justement de quelqu'un et tout. Et moi je crois que quand on parle de bouffonnerie, moi j'ai eu la chance de faire quelques pays africains. Ouais. J'ai eu la chance de faire quelques pays africains et tout. Quand tu arrives dans un pays comme peut-être la Côte d'Ivoire, ils ont des salles de répétition, comme par exemple tu arrives en Europe. Quand tu arrives par exemple en France et tout, il y a ce qu'on appelle le théâtre de 10 heures, le théâtre de 12 heures. C'est-à-dire que des gens qui, à leurs heures perdues, peut-être aux heures de pause, qui peuvent aller s'asseoir quelque part, qui peuvent payer même 5 euros. Les 5 euros, Thomas Nguijo par exemple, s'est fait connaître dans les théâtres à l'université. Tu vois, c'est-à-dire qu'aux heures perdues. Le club théâtre. Oui, les clubs théâtre. Et qu'aux heures perdues, ils faisaient tellement rire aux trucs à l'université, aux trucs. Qu'on a dit à Djamel Debbouze qu'il y a un gars qui nous fatigue au théâtre. À l'université à la fac. Djamel Debbouze s'est déplacé pour venir voir ce gars, non-names.
Et que Djamé Debbou, ouais, il est venu s'asseoir là comme. Parce que si on te dit que Djamé Debbou vient te superviser, ouais, on te dit par exemple. Tu vas te toucher en effet. Non, non, même pas les touches. Tu peux te sentir. Ça peut te frustrer. Oui, il y a ceux qui se sentent frustrés. En voulant. Mieux faire ou en voulant tirer ce qui est plus bon et tout, parce que les gens croient souvent que c'est en tirant trop que ça. Alors qu'il y a le mot, il y a le mot terre à terre. Il y a le mot terre à terre. Moi, c'est-à-dire que mon meilleur humoriste dans le Jamel Comedy Club, pour moi, restera toujours Patron, l'Ivoirien. Ouais. Parce que ce gars, lui, il tire pas loin. Il a des ventes qui ne durent pas une minute. Tu vois un peu, en fait, c'est ça l'humour. Parce que un test que quelqu'un va tirer, un test de 7 minutes. Si à l'intérieur quelqu'un t'a perturbé un seul instant, quand tu vas perdre le. Oui, tu es perdu. C'est un peu comme l'élève de l'école maternelle, comme on a donné qu'à l'arrestation, il faudrait le faire. Voilà, voilà. Donc moi je crois que on ne va pas dire que ceux qui se baladent de bas en bas, c'est la bouffonnerie. Ouais. Non, je suis en train de. Il faudrait que ce soit recadré un peu. Je n'ai pas dit bouffonnerie. Je dis, est-ce que après la rue, où la rue qui t'a forgé, et que tu reviennes encore aujourd'hui, tu sois incapable d'arracher les contacts pendant ta prestation dans une soirée comme tu le fais. Tu me dis, pendant que tu presses, il y a des moments où tu as souvent 1, 2, 3, 4, 5 contacts. Qu'est-ce qui explique le fait que malgré qu'on soit en train de prendre les contacts, tu sois encore en train de trouver, en train d'aller t'inviter dans des cérémonies, je suis en train de dans la rue. Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas talentueux? Non, en fait, c'est que nos dirigeants ne nous ont pas aidés depuis la base. Depuis des années. Les dirigeants pour la culture n'ont rien fait. Soyons objectifs. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont peur de le dire et tout. Je profite de cette vitrine pour essayer de. Tout à fait. Comme les gens ont l'habitude de dire, mon ventre n'est pas un magasin. Nos dirigeants ne nous ont pas aidés. Et puis moi, je crois qu'il y a des artistes quand même, des artistes et musiciens, que moi je considère pour des bouffons. Tu vois, vous ne pouvez pas soutenir des gens qui ne vous ont pas aidés parce que tu veux juste peut-être avoir. Une position peut-être pour manger et tout. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu un suivi. Si un gars de la rue qui fait rire dans la rue et tout, qui a eu peut-être. Parce que souvent, ça peut arriver quand tu appelles un samedi pour 50 minutes. Justement. Tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas aller dans la rue le samedi alors que tu as un contrat à 50 minutes. Sauf qu'il n'y a pas de suivi. Si ce samedi, tu as eu 50 minutes et que le samedi qui suit, tu n'as rien. L'autre samedi qui suit, tu n'as rien. L'autre samedi qui suit, tu n'as rien. Mon frère, tu seras obligé de. Retomber dans la rue pour peut-être te 10 ou 15 000 fois la soirée. Je suis en train de. Si l'État ne nous aide pas, si l'État ne nous aide pas, est-ce que c'est une raison pour nous de ne pas nous aider? Je vais. Parce que moi, j'ai été dans les endroits avec toi, et pour dire une vérité, j'ai eu beaucoup de passion pour l'humour. Pour ceux qui me connaissent, la preuve en est, on a joué quelque part dans une boîte qui est fermée aujourd'hui, 5 étoiles, un truc comme ça. J'ai eu beaucoup de passion pour l'humour. Mais malheureusement, malgré mes études que j'ai faites, je me suis retrouvé être en train d'être qualifié mendiant, bouffon, à cause des comportements de certains collègues. Moi, c'est une vérité. J'ai moi décidé de caler dans ma communication et d'approfondir ma communication parce que je ne voudrais pas être confondu parmi tant d'autres. Voilà par exemple, on est aujourd'hui abandonné à nous-mêmes. On est abandonné à nous-mêmes, c'est normal, c'est clair. Oui. On se bat pour pouvoir avoir au moins une place au soleil. Beaucoup de grands frères sont en train de mener la bataille, oui, on le sait. Mais pendant qu'ils sont en train de mener la bataille, tu t'imagines, je suis dans une soirée où on m'a appelé de venir présenter. J'ai dit non, j'ai mon humoriste qui est par un très talentueux, il sera de la partie. Et si c'est pas sans lui, la soirée sera belle. On me dit non, on a besoin d'humoriste parce que l'humoriste viendra de lui-même. Non, oui, il viendra de lui-même. Et pendant que je suis en train de dire, il y a un gars du comité d'organisation qui prend carrément son téléphone. Il me dit salut par exemple tel. C'est un gars avec qui tu as bu là. Gars, viens de. Eh grand, il serait là. Il ne m'a pas manqué ton truc. En même temps, ça, c'est nous qui nous. On se dégrade. Moi, je ne vais pas citer des noms ici, Ashton. Je ne vais pas citer des noms ici. Ouais. Mais il y a des venus qui n'ont pas aussi aidé les jeunes. Ouais. Il y a des venus qui n'ont pas aussi aidé les jeunes. Est-ce que c'est qui a aussi des venus qui le font. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas invité à un truc qui débarque seulement. C'est-à-dire qu'il y a un musicien camerounais qui est un très bon chanteur, qui le fait de mariage en mariage. Il préfère tel le nom. Mais ceux qui vont me regarder au quartier savent de qui je parle. C'est-à-dire que lui, il peut arriver peut-être à un endroit ou dans un hôtel qui a peut-être deux salles. Ouais. Il est invité dans une salle. Oui. Il sent que dans l'autre salle, il y a un.
il y a une autre cérémonie. Ouais. Il va s'improviser là-bas. Maintenant, l'impresario qui avait encore l'argent d'un artiste dans sa poche, qui sent que si un grand comme ça vient s'improviser, lui, je peux le faire jouer et demander à l'autre qui était invité de laisser tomber que la cérémonie est finie et il reste le cachet de l'autre et tout. Moi, je crois que ces aînés doivent quand même se respecter. Ces aînés doivent quand même se respecter. Moi, je vais dire merci à un grand frère comme Bob Ali Copter qui ne m'a jamais appelé pour rien. C'est-à-dire que Bob Ali Copter, quand il y a 10 francs, il me dit mon petit, il y a 10 francs. Quand il y a 20 francs, il me dit mon petit, il y a 20 francs. C'est-à-dire que souvent, quand c'est un peu dur, je dis que, ouais, tonton, c'est chose, je dis que mon petit, je ne peux pas t'appeler et qu'il n'y a rien de prévu comme cachet pour toi. Je sais que c'est dur, mais tu es dans l'obligation de supporter ça comme ça. Tu as peur, mais on essaie de se le cœur, nous jeunes, mais il y a des aînés qui ne comprennent pas que souvent un aîné, quand on t'a pas appelé un samedi, soit reste dormi à la maison et tout. Moi, j'ai des grands frères, j'ai eu quelque chose ce samedi, j'étais invité à un mariage ce samedi. Ce grand frère va se reconnaître et tout. Je préfère taire le nom. Ouais. Moi, je suis invité quelque part. L'impression me dit, voilà ton grand frère qui est là. Lui n'est pas invité. C'est toi qui commences. Maintenant, toi, tu es libre de l'introduire après ta prestation, lui donner le micro pour que lui, il se batte. Moi, je suis allé faire ma prestation, je ne l'ai pas appelé. Il est venu me dire que moi aussi j'étais invité, on t'a appelé comme ça et tout. Eric, grand frère, moi je suis très poli. Je préfère ne pas discuter avec toi. Justement. Laisse qu'on appelle l'impresario et qu'il nous dise de toi, à moi qui étais invité à ce truc et tout. Au moment où j'ai cherché un peu, le gars a disparu, il est parti. Tu vois, c'est triste. C'est triste. C'est justement moi, c'est justement ça qui est question. Moi je suis très fier pour ce, malgré que nos dirigeants ne nous ont pas aidés. Mais Ashton, je ne te mens pas, ce métier, du moins, nourrit son homme. Ouais. Tu me suis un peu. C'est un métier qui n'est même pas encore exploité. Oui, ce métier nourrit son homme. C'est encore l'âge. Moi, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire que Ferraga, on ne le connaît pas. Oui, on ne le connaît pas parce que moi, je n'attends pas le buzz pour me faire connaître. Moi, là où je suis là, le succès ne va plus me surprendre. Et rappelons que tu ne te fais pas marcher dessus. Il faut aussi dire ça parce que beaucoup acceptent la visibilité parce qu'on doit dire non, petit coup, ici tu cours, tu deviens le Tchinda. C'est ce que moi, je sais de toi en fait. Bon. Moi, j'ai beaucoup d'affinité avec beaucoup d'aînés. Justement. Qui m'ont tendu la main. Mais par rapport à leur philosophie, moi, je n'ai pas pu adhérer. Je ne pas, ouais. Je n'ai pas pu adhérer. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu sais qu'il y a des aînés qui te trimballent, qui t'amènent à l'ouest, à Yaoundé? Même 10 francs, tu payes pour dire que petit tu auras le faroutage. Mais c'est triste. C'est triste. Tu crois que si durant tout le voyage, tu as même un bobo, peut-être on ne souhaite pas, en cas d'accident et tout, qui va acheter ton cercueil? La question posée. Hein? Tu te bats là pour aller à peu. C'est-à-dire que tu te bats pour aller avoir le faroutage. Si là-bas tu n'as pas le faroutage, tu vas payer ton transport retour comment? C'est la question posée. Moi je ne peux pas le faire. C'est justement ce que tu as dit. Je ne peux pas le faire. C'est là où je voulais. On a marché derrière des aînés qui ont voulu nous utiliser comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est là où je voulais arriver. C'est pas possible. Et Ferragan, je voulais dire ceci. Tu es en train de dire un truc. Est-ce que c'est normal que par exemple, acheter son gagné mariage, à partir de rien, appelle Ferragan, sachant que le mariage n'est pas le mien? Ce n'est pas mieux, je ne suis pas conseillé pour le mariage. Je mets à t'appeler, toi, sachant que tu es un responsable de famille, t'appelle. C'est normal, c'est ça que je demande. Moi, acheter ça, peut-être avant d'être père de famille, je peux le faire. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un père de famille. Voilà. J'ai au moins ce sainte-tête que je nourris chaque jour que Dieu a créé. Et si j'ai eu la chance de me retrouver dans une prestation où mardi j'étais quelque part, avec des aînés, je suis rentré avec un peu d'argent. Si je suis sorti d'une personne avec 100 000 francs et tout, j'essaie d'équilibrer ça comme si demain il n'y a rien. Tu vois, moi je ne vis, vis pas du jour au jour comme un Gabonais. Je ne vis pas du jour au jour comme un Gabonais. Je crois que ce que. Moi, j'ai eu. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une prestation dans un nightclub où j'ai eu presque 300 euros. Et le monsieur qui était devant moi, qui avait un tas d'euros en main, qui était en train de farauter, m'a donné 300 euros. Ce soir-là, j'étais un grand frère, j'étais avec Chikos.
très tard dans l'année, j'ai dit au grand frère, accompagne-moi à quoi, à, sans publicité, à quoi. Là, on change les devises. Oui, les devises, ouais. Je suis arrivé là, j'ai changé mes devises. Sur la moto, j'étais en train de me plaindre. J'ai dit au grand frère que tu causes, oh, mais le grand là, alors qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'euros à moi, pourquoi il pouvait même pas me forter, même 500 euros. Oh, il m'a que donné 300 euros. C'est le grand frère que tu causes qui me fait comprendre que Ferragan, jeune frère, on passait devant les magasins très tard dans la nuit à quoi. Mais que tu vois les vigiles qui sont couchés dans les, devant les magasins là, eux, ils n'ont pas 40 000 au mois. Dans 30 jours, ils n'ont pas 40 000. Toi, tu viens de faire une prestation de moins de 15 minutes, tu as 300 euros, tu as presque 200 000. Donc en 15 minutes, tu as 200 000. Celui qui, en 30 jours, n'a pas 40 000, si lui se plaint, lui-là, il ne se plaint pas. Mais toi, en 15 minutes, tu as eu presque 200 000, tu es toujours en train de te plaindre. Je t'assure que ce conseil jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté. Parce que pendant que toi, tu te plains, tu passes, tu vois un fou qui est devant la poubelle, qui est en train de... Donc moi, je crois que, comme Eto'o envie d'autres, c'est comme ça que d'autres envient Eto'o. Là où Eto'o, là où Samuel Eto'o est là, il a arrêté sa carrière et tout. Maintenant, de nos jours, peut-être qu'il envie même Lionel Messi qui est encore. Lionel Messi, quand il va arrêter sa carrière, il va envier peut-être un jeune comme Kylian Mbappé. Tu vois un peu? Donc la vie, c'est échelon par échelon. Moi, j'ai arrêté de me plaindre. Ça, c'est pas la peine de se plaindre. Moi, j'ai arrêté de me plaindre. Super. Maintenant, je demande maintenant, Ferragan, selon toi, quelle est l'avenir de l'humour au Cameroun? L'avenir de l'humour. Moi, je crois que l'avenir de l'humour, il faut que tous nos dirigeants, que tous ceux-là qui partent, c'est-à-dire que tous nos dirigeants là, s'ils peuvent même tous mourir, qu'ils meurent tous. Parce que ce pays à refaire, ce pays à refaire, tous les dirigeants là, s'ils pouvaient mourir, hein, qu'ils meurent, hein, qu'on reconstruise le pays. Sérieux, c'est que ça fait rire, mais que tous ces dirigeants, qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Parce que ce pays à reconstruire. Souvent quand tu vois comme ça, tu dis que hey, Aïdjo, viens voir ton pays. Tu vois, sauf que quand tu crées Aïdjo, viens voir ton pays. Ouais. Tu regardes si à côté, il n'y a pas un anti-gars qui est assis à côté. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une liberté d'expression, il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun. Il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun. Tous les dirigeants là qui meurent. Parce que tu ne peux pas comprendre que, tel que quelqu'un qui a travaillé, qui est allé en retraite, qui est en retraite là-bas, qui a été recoupé en retraite, tu es surpris que c'est le même ça qui est encore nommé quelque part pour être un haut commis de l'État. Les jeunes vont travailler quand? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai saisi l'occasion. Maintenant, est-ce que tu as pris ton vaccin pour coronavirus, vaccin anti-corona? Moi, je crois que ce vaccin est encore en étude. Ce vaccin est encore en étude. Moi, quand je vais à Bafia chez moi, là, quand je vais à Bafia chez moi, là, je vois les trucs naturels. Hein. Ah bon? Oui, je vois les plantes naturelles. Bah, ce vaccin est encore... C'est encore en étude. Et tu as aussi eu vent de ce qu'il y a eu une affaire de 180 milliards qui sont partis comme ça, bon, pour ce même corona. C'est le même truc comme ça là. Nous on a peur. Quand on dit qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun, nous on a peur. C'est-à-dire que c'est une seule personne. C'est-à-dire que écoutons comment ça sonne mal. Écoutons comment ça sonne mal. Ça sonne tellement mal au point où souvent quand tu veux parler, tu veux m'emporter au chapeau pour qu'on ne voie pas ton visage. Oui, mais nous on a pu. On n'a plus le choix. Ouais. On n'a plus le choix. Si on dit que 20 personnes se sont accaparées de 180 milliards de francs. Mais ça, c'est rien. Il y a une seule personne qui dit que lui, 300 milliards. Il a voué, il s'est accaparé de 195 milliards. Tu vois, 195 milliards, si c'est le budget du Gabon, c'est qu'une seule personne a volé tout un pays. Si on dit que le budget du Gabon, qui a moins de 3 millions d'habitants, que leur budget là-bas, c'est 150 milliards. Et quand tu dis qu'au Cameroun, une seule personne a volé 195 milliards. Voilà une seule personne qui a volé un pays. Ça, c'est clair. Hein? Ça fait mal. Bon, ok. Ça fait mal. Quand tu dis que 1 milliard de francs, c'est 50 kg. Donc, c'est un sac de ciment. Ouais. Mais on te dit qu'une seule personne a volé 195 milliards. Il faisait comment pour porter 195 sacs de ciment? Mais les gars sont forts. Très fort d'ailleurs. Les gars sont forts. On te dit qu'un milliard, un banquier te dit que 1 milliard de francs, c'est 50 kg. Mais on te dit qu'une personne a volé 195 milliards de francs. Les gars n'ont plus peur de Dieu.
Donc tous ces gens-là devaient mourir pour qu'on reconstruise le pays. C'est vrai que ça fait rire, mais le mal est profond. En même temps, on rit pour ne pas pleurer de tout, en même temps, il faut le dire. Le mal est profond, le mal est profond. Donc l'avenir de l'humour au Cameroun, c'est encore sombre. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que les humoristes eux-mêmes, humoristes, comédiens, ne parviennent pas à s'organiser en association? Parce que je pense que, sous mes yeux, j'ai eu à vivre 2, 3, 4 associations qui finalement ne ressemblent à rien. Mais tu vois comment que les humoristes s'entendent à partir du moment où au Cameroun, il y a plus de 200 partis politiques. Et le pays même déjà ne s'entend pas. Et c'est les humoristes qui vont s'entendre. Et les choses sont à l'image du pays. Rien ne va au pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des aînés qui ont essayé de créer des associations. Il y a des aînés qui ont essayé de créer des associations. Mais ça ne marche pas. Tout ça est à l'image du pays. Bon, est-ce que dans ça, c'est pas parce qu'il y a le leadership, c'est moi. C'est moi qui suis président, c'est moi, j'ai commencé en vous. Oh, toi petit, quand je parle, tu étais. C'est sympa ce problème? Bon, ça peut aussi être ce problème de leadership. Ça peut aussi être un problème de leadership. On ne refuse pas. Ça peut être un problème de leadership, on ne refuse pas. Mais regardez la politique camerounaise. Regardez la politique camerounaise. Telle est devenue telle parce que son père était tel. Parce que c'est vrai. Hein? Tel est devenu tel parce que son père était tel. Tel est devenu tel parce que son père était tel. Tu vois, à l'équipe nationale, c'était, même chez les footballeurs, c'est elle qui veut positionner son fils, passer. C'est compliqué. Moi, je voulais qu'on reste dans le domaine humour. Mmh. Qu'on me pose peut-être la question. Est-ce dans ton job, tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à nourrir tes enfants grâce à l'humour et tout? Moi, je vous ai dit que je ne fais pas la même chose. Tu as assuré que tu es père de famille et que c'est grâce à ça que tu vis. Ouais, moi, et quand tu dis que tu vis grâce à ça, que même tes enfants respirent. Bon, maintenant, je. Non, mes enfants ne respirent pas comme ça se doit. Moi, je veux peut-être que mes enfants fassent aussi des grandes écoles. Mmh. Et mes enfants ne chôment pas. Mmh. Mes enfants ne chôment pas. Moi, je me bats comme je peux. Aller les envoyer à l'école qui est à mon niveau. Ouais. Tu vois un peu. Moi, je crois que souvent, quand quelqu'un reste, un bâtard reste au quartier, que, mais pourquoi on ne pouvait pas faire comme les humains ivoiriens? Mmh. Est-ce que les humains ivoiriens sont plus talentueux que les humains camerounais? Non. Mais les humains ivoiriens, ils ont plus de 50 salles de spectacle. Hein? Depuis que notre métier, sa publicité, doit la baisser, elle se l'est. Une salle privée même. Une salle privée. Dis-moi un peu là, les humains camerounais font encore des prestations. Ils sont au cinéma, les gars. C'est pour l'État du Cameroun. C'est toujours pour un privé. Non, mais ça fait pitié, ça. Ça fait pitié, ce pays. Si tout ça est là pour mourir, pourquoi reconstruire le pays? Voir qui même. Corona prend des gens. Je sais pas que quand on dit que Corona prend des gens à 3 âge, que Corona prend tous ces gens-là. Hein, sérieux, ça fait mal. Le mal est profond. Bon, maintenant, Efferangan, qu'est-ce que tu dis à tes collègues? Parce que moi, je suis touché, pas parce que je suis choqué. Il y a eu à perdre beaucoup de crédit auprès des mariés parce qu'ils voulaient faire un truc de bon. Et malheureusement, des personnes sont venues gâter. Ça veut dire quoi? J'ai hérité encore. Chez marié, j'ai un artiste hyper bon. Il maîtrise son art. On peut gérer combien? J'ai dit non, prie famille parce que c'est mon ami. On peut gérer à 100 000. À peine qu'on soit parti de là, on va arriver dans le comité, dans le grand groupe. On dit, bon, il y a l'artiste tel qui sera là, vraiment, le marié, je suis dedans, j'ai payé. On dit, non, laisse. Je vais l'appeler gratuitement à venir. On appelle le gars et il répond présent. Il dit qu'il y a un farotage, on lui dit qu'il y a un farotage, il vient. C'est pourquoi demander entre farotage et contrat, qu'est-ce qui est finalement mis? Moi, Einstein seulement, je crois que il y a des gens qui sont encore honnêtes. Des gens qui veulent se marier, qui sont encore honnêtes. Et ces mariés, après, qui vont se plaindre. Il est venu faire danser les mariés, voilà. Et tout pour avoir le fantais et tout. Tu l'as payé combien avant qu'il ne fasse pas danser les mariés? Moi, j'ai fait des prestations où on t'a payé comme ça se doit. Et le mari te dit que j'espère que tu ne fais pas danser les mariés. Justement. Il a pleinement raison. C'est clair. Il y a des humoristes qui se croient humoristes. Tu vas les voir, c'est eux qui font danser les mariés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est eux qui font danser les mariés.
Ceux qui interprètent Ebualo Tinto, quand tu n'as plus d'inspiration. Oui, quand l'inspiration est finie, il tombe. Même il attend sur scène. Quand tu dis que c'est pas. Il dit, mettez mon son pour sortir. Ebualo Tinto, vanité de vanité. Non, ce n'est pas des humoristes, c'est des bouffons. Ce n'est pas des humoristes, c'est des bouffons. Moi, je le dis ici, c'est des bouffons. Et ce qui est là, c'est que moi j'ai entamé mon combat. Moi, je vais dire ma vérité. J'ai entamé sur ma page, sur mon mur Facebook. J'ai commencé à dire, il y a des humoristes et les présentateurs qui sont constitués pour devenir un groupe de patrouilleurs qui se retrouvent devant la mairie, qui se retrouvent devant la mairie à dire, marié, je suis tel présentateur, oh, il manque même le nom de chaîne. Je vais venir à ta soirée, je vais présenter. Il manque le nom de la chaîne, oui, comme tu dis. Oui, je vais venir présenter et ne te casse pas, j'ai les artistes qui ont venu faire ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça fait comment? Souvent un bâtard comme ça, souvent un bâtard qui se dit impresario ou événementiel. Ouais. Ils ont de ces gros noms-là. Les gros noms, les gros noms. Le roi de ceci, le ceci. Les dieux même. Les dieux de ceci et tout. Souvent, par moi, il ne faut pas en vouloir les mariés. Hein. Il dit aux mariés que demain, 250 francs, je vais te faire venir les artistes chanteurs et les artistes humoristes et tout. Pour faire venir prester les musiciens pour rien et puis les humoristes pour rien et tout. Vraiment, c'est très triste. C'est très triste. Ils ont un groupe WhatsApp aujourd'hui où, au cas où tu n'es pas de leur, non, on t'appelle pas. Hein. Si, même si on t'appelle pour vouloir te payer, ils vont dire non, vraiment, j'ai mon équipe complète. Et je plains vraiment cela. Je plains parce que je ne comprends pas comment un papa peut se lever de la maison disant à ses enfants qu'il m'en va au travail, mettre une veste sur lui, mettre du parfum, mettre tout. Et se lever pour aller. Pour aller se balader, pour aller se balader dans la mairie. On a traversé cette mairie. Balader salle en salle. Parce que quand on n'est pas à la mairie, ils se retrouvent en train de fouiller la salle pour voir là où il n'y a pas l'imprésario. Souvent, l'imprésario qui est même payé arrive que quand le gars a pris son micro, il commence à bavarder. Hein. moi te dis, tu as fait quelque chose, tu ne dois pas te rappeler. C'est des bouffons. Tu as fait quelque chose. C'est des bouffons, Einstein. C'est des bouffons. C'est des bouffons. Moi, je crois que je suis allé à Foumban pour un mariage une fois. J'étais avec un collègue. Ouais. Au lieu de faire, lui, il a plutôt fait danser la mariée. Voilà. J'ai parti à Foumban pour 125 000. Justement. Moi, le mari m'a donné tout mon cachet. C'est clair. Lui, on l'a pas donné, le reste, c'est son cachet. Parce que moi, je faisais des avances. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pitié de toi. Moi, j'ai pitié de toi. Je te laisse avec l'avance que je t'ai fait. Mais le reste, c'est parce que tu as profité de ma femme pour pointer. Lui, on l'a mis pour faire rire. Lui il est venu faire danser la marée et tout. Et puis, il a bien pointé. Voilà. C'est triste. Et j'ai un problème parce que je ne veux pas dire mes collègues. Hein. Parce que toi, tu me connais, je me suis jamais levé. Tu m'as trouvé un endroit où qui n'est pas ça. Que te disent que non, il fait la gang. Oh, je sais pas ce que non. Si Fagan appelle pour son mariage, je viens me présenter. Il ne demande rien, c'est ce soutien entre collègues. Hutchinson, on ne refuse pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est que. Même les petits pays jouent sans cachet. Hein. Justement. Petit pays a des parents qui l'ont soutenu. Ça, c'est clair. Que s'il y a même l'anniversaire des enfants à la maison. C'est très clair. Il peut venir faire une chanson. C'est très clair. On ne refuse pas qu'il n'y a pas des artistes qui jouent pour lui, qui peuvent offrir une prestation. Ça, c'est la solidarité dans l'art, il faut le dire. Mais que d'aller Toto, t'as que. Te battre peut-être à la mairie ou quelque part, dire que patrouiller comme tu le dis si bien et tout. Non, mais c'est triste. C'est triste. J'ai un collègue qui a failli me faire ça un jour. On s'est retrouvés là. J'ai eu honte. Pourquoi? Parce que le chef de protocole m'a posé la question. Qui vous a invité? Question posée. Qui vous a invité? Personne ne nous avait invité. Voilà. Nous sommes restés à ce cas. Tu ne pouvais pas imaginer la honte. J'ai dit à ce collègue que, gars, des trucs comme ça, moi, je ne peux pas le faire. Je suis rentré à la maison, mais m'a servi de leçon. Je ne peux pas. Arriver quand même à un mariage, qu'on t'a quand même invité. Justement. Moi, de dire, je ne veux pas parler de danseur. Oui, danseur, c'est autre chose. Je ne veux pas parler de DJ, c'est autre chose. Mais je te rassure que il y a ceux qui se disent impresario. Parce que je pense qu'un mariage, ça demande une préparation minutieuse. Maintenant, quand tu. Il y a tout un. Je vais dire quoi? Toute une organisation qui est faite. Le jour de la soirée, ce n'est que matérialiser la soirée. Mais comment comprendre qu'un monsieur se lève de chez lui et qu'il s'en aille se bader dans la ville en veste
souvent avec l'humour, les humoristes devant derrière lui, les pères de famille qu'il a derrière lui, pour dire que mes artistes, je vais le faire. Et ils prennent la soirée des gens, ça devient un concert. Ça veut dire un spectacle même. Ça veut dire soirée de mariage, présentation artistique, ça devient 15 artistes qui passent. Parce qu'en battant, on va dire que donne-moi 2000, donne-moi 2000 de mon truc. C'est pourquoi moi, je crois que nos dirigeants ne nous ont pas aidés à ce niveau-là. Je crois quand même que un monsieur comme Bojiko ne va jamais t'improviser à un événement. Justement. Le président Tchotcho ne va jamais t'improviser à un événement. Léonard Châtelain ne va jamais t'improviser à un événement. Ils sont nombreux, impresarios, ouais, qui se respectent, qui méritent encore d'être respectés. Il y a des impresarios qui trimballent des pères de famille, des vieux. Ouais. Des vieux. Ça fait pitié. C'est-à-dire que le vieux, même à peine, quand le vieux a fini sa prestation, lui-même, il dépose le micro pour aller fouiller le vieux. C'est lui qui fouille le vieux, hein. D'ailleurs, qui fouille le vieux et tout. S'il y a même 50 000, il divise ça en deux, il donne la moitié au vieux, il reste avec le même. C'est triste. Moi, je crois que des gens comme ça devaient être poursuivis en justice. Dès que des impresarios bouffons comme ça, là, devaient être poursuivis en justice. Mais pourtant, c'est eux qui sont en vue au Cameroun, c'est eux qui ont des noms, c'est eux qui sont. Non, mais ils sont en vue au Cameroun. Ils sont en vue au Cameroun, sans publicité. Ceux qui le font, on t'a dit qu'il a présenté un événement, ils sont. On t'a dit qu'il a présenté un truc au Sawa. Hein? On connaît aussi les salles. Les salles, c'est foyer de Nobel, foyer de ceci, foyer de ceci. On connaît aussi le niveau. Là, ils s'arrêtent. Hein? Parlons peu, parlons vrai. Hein? Toi, on s'est tamponné. On s'est rencontré à un événement avec la CEMAC, sans plus, ouais, hein, où tu présentais. Justement. Et tout. Voir des trucs sans plus, ouais. Tu t'es retrouvé là-bas. Ce n'est pas parce que tu fais de la bouffonnerie. Non, non. C'était ton mérite. Mm-hmm. Hein? Les gens que tu dis là, qui font du truc, tu les as donc vus où? Ça, c'est la question. En un an, c'est peut-être par chance qu'ils vont dire qu'il a présenté dans un hôtel UP. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des brebis galeux. Et que s'ils étaient même lèvres comme ça, ils méritaient d'être déblayés. Si c'était lèvres, on devait couper ça à la racine. D'ailleurs que c'est des gens comme ça. Ça ne pousse plus jamais. Et maintenant, voilà, on revient à nous dans notre humour. Si on te dit quelle a été ta plus belle prestation au-delà de 10, non, dans durant tes 10 ans de carrière, où est-ce que tu as presté et que tu as dit waouh, Seigneur, me voici enfin dans un endroit où je ne m'y croyais pas. Moi, je crois que pour ceux qui me connaissent, j'ai fait plusieurs. Mais c'est vrai qu'il y a une prestation qui. Ouais, qui marque. J'ai fait une prestation qui. Ça, c'était à mes débuts. C'était à la nuit des imitateurs, organisée par le grand frère Kaïve Show. Ouais. Sans publicité, c'était à Douala-Bessie. La date est restée dans ma tête et tout. C'est pourquoi il dit tout aux gens, j'ai plus de 10 ans de carrière parce que c'était un 22 décembre 2011. La date est restée là. Moi, j'ai fait rire les gens. Quand j'ai revu les vidéos, j'ai dit non, c'est pas moi ça. C'est pas Efiragan. Quand j'ai revu les vidéos après, j'ai dit waouh. C'était du costaud. Ça veut dire, à côté de Efiragan qui n'est pas dans la scène, il y a un autre Efiragan dans la scène. Ouais. J'ai beaucoup aimé. En dehors de ça, il y a des Vénés qui ont des concepts, des vrais concepts, ouais, du mot. Ouais, ouais. Comme la Champions du Rue organisée par le grand frère Sidi Bojiko, que je salue au passage et tout. Il y a encore des. C'est vrai que le vrai plateau du mot Cameroun, ça se fait rare. Il y a un concept là qu'on appelle c'est riz quoi là et tout. Du n'importe quoi, où tu vas aller faire une prestation, on va te donner 15 000 francs. Mais regardez comment ça. Ça fonctionne. Que les gens vont te voir à la télé, les oncles vont te voir au village, ils vont te voir, ils disent, ouh, l'autre fille, sans savoir que. Moi, je préfère faire mes spectacles en privé que d'aller faire des trucs là qui passent à la télé, où on va croire que là-bas, on t'a. Non, c'est pas la peine. Est-ce que les humoristes, c'est des humoristes, ne tuent pas l'humour et les humoristes en question? Non, ils sont nombreux qui le font. Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils sont en train de tuer l'humour et tuer les humoristes en question? Ils sont nombreux. Parce que nombreux. Je pense que dans la vie. Il moi, faut je crois que HNC, je te coupe pas. On juge l'humour dans la durée. Ouais. Dans la durée, il y a des gars qui ont fait le buzz. Le buzz a duré peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, voire 1 an et tout. Aujourd'hui, on n'en parle plus, ils sont nombreux.
Il y a des gens qui ont été Canada au Cameroun, que quand on se tamponne à des événements et tout, ils nous tirent un coup de chapeau. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir. Souvent, demande le transport, il faut le dire. Moi, j'en connais. Qui demande le transport pour rentrer, qui, de ton varotage, en effet. Moi, je dis, je suis en train de regarder un peu autrement. Est-ce que toi, Efferran, tu as fait partie d'un groupe humoriste, un groupe d'humoristes comme Joe Ismaila et tout ça? Est-ce que tu as eu. A fait partie? Non, moi, j'ai jamais. C'est carrière solo? J'ai jamais fait de Joe dans ma vie. Mmh. Bon, quel humoriste t'a inspiré, quel humoriste t'a fait vraiment marquer au point où tu as dit que non, si je ne fais pas l'humour, je ne suis rien? Je crois qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais il y a toujours... ceux qui ont influencé ta carrière. Il y a toujours le déclic. Mmh. Ils sont nombreux. Il y a tout le déclic. Moi, je dirais. C'est vrai que Jean-Michel Kanka est une référence camerounaise et africaine. Mmh. Mais mon déclic n'est pas camerounais. Mmh. Mon déclic n'est pas camerounais, moi je le dirais toujours et tout. Ouais. L'humoriste africain qui m'a donné l'envie de faire ce job, c'est Adama Daiko. Mmh. Un humoriste ivoirien. Ouais. Qui est. Qui a voulu être président même. Il a mis sa candidature. Ouais. Qui est ivoirien de nationalité, mais qui est originaire du Mali. Mmh. Adama Daiko. Adama Daiko, pour moi, c'est vrai que à nous tous notre modèle, c'est Jean-Michel Cancan. Ouais. En humour. Ouais. En humour. C'est-à-dire que la profondeur de mes tests, je m'inspire toujours d'Adama Daiko. Je m'inspire toujours d'Adama Daiko. Adama Daiko qui va te dire que les gens ne savent pas pourquoi Barack Obama a été président aux États-Unis. Mmh. C'est parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas comme les Africains, on ne dit pas. Élection présidentielle. Ouais. Aux États-Unis, on dit course vers la Maison Blanche. Mmh. Maintenant, quand on dit que course vers la Maison Blanche et qu'il y a un Kenyan parmi eux, parmi les Blancs, on sait que les Kenyans sont champions en marathon. S'il y a quelqu'un qui doit arriver en premier, c'est un Kenyan. Donc, ce cas, Barack Obama a été président aux États-Unis et tout, parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas élection présidentielle. On dit course vers la Maison Blanche. Et s'il y a un Malien parmi eux, le Malien va courir plus que les autres Blancs. Donc, moi, quand j'écris mes tests, la profondeur de mes tests, je m'inspire toujours de ce monsieur. Maintenant au Cameroun, j'ai des vénés. Mmh. Je préfère ne pas les citer parce qu'ils sont tellement nombreux qui font bien, qui m'inspirent aussi. Mais j'ai envie de t'imposer une personne aussi qui t'aurait marqué. Au Cameroun? J'ai envie de dire que, quoi qu'on dise, Safari a beaucoup fait. Il a influencé beaucoup d'enfance. Non, moi, Safari ne m'a pas influencé parce que je ne fais pas dans le. C'est pas, je ne fais pas dans le même style. Je ne suis pas imitateur. Peut-être les jeunes qui font dans l'imitation peuvent dire que Safari a été beaucoup pour eux, pour leur carrière, je dirais. Mais quand on m'écoute, je déguste pas la voix de un. Ouais. Et je préfère ça, ne c'est pas. Clair, ça, c'est clair, oui, je préfère ne même pas. C'est une particularité d'ailleurs. Oui, je préfère ne pas citer. Même un nom. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je préfère ne pas citer le nom, mais... Comment est-ce que tu te vois dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans? Moi, je crois que, comme disent les aventuriers, c'est... à Dieu la force. C'est Dieu sait qui sait, ce qu'il prévoit pour demain. Je ne vais pas dire que je vais faire ceci demain, je vais faire ceci demain. Si celui qui est haut là n'est pas d'accord, c'est pas... Moi, je laisse ma vie à Dieu. Ce que j'ai à faire, ce n'est que de travailler. Est-ce qu'on devrait même confondre un autre humoriste sur scène? Par ressemblance? Je crois qu'on a l'habitude de me confondre avec mon aîné Paracetamol. Peut-être parce que les noms se ressemblent. Paracetamol et Ferragan et tout. Moi, je crois que la confusion, c'est au niveau des noms. Pas au niveau du spectacle. Ouais. Parce qu'on n'a pas les. On n'a pas le même. On n'a pas le même répertoire, les répertoires ne se ressemblent pas. Par Samuel, il a son répertoire, il fait la grande, a son répertoire et tout. Par Samuel, le passant que je vais saluer et tout, parce que c'est un aîné. Ouais. C'est un aîné qui m'a tendu la main et qui m'a beaucoup aidé. S'il faut dire que il faut peut-être parler des aînés qui m'ont peut-être tendu la main, ils sont nombreux. Je ne veux pas de Samuel,
le professeur Ndiasso, Massa Yacob, le grand frère Fimon Tralala, Tain et Condom, Moussa Jean Kalagan, Oga le Pichichi, Mboma Hélicoptère, ils sont tellement nombreux, s'il faut citer, on ne va pas partir d'ici. La liste est longue. La liste est très longue. Bon, j'ai demandé, est-ce que toi tu n'as pas de projet personnel? Tu ne vises pas les réseaux sociaux, tu ne vises pas les web-séries qui sont devenues monnaie courante aujourd'hui? Non, je crois que c'est pour bientôt les tournages. Ceux qui tournent pour le buzz, nous on ne vient pas tourner pour le buzz. On vient tourner ce qui est profond. Donc les tournages sont pour bientôt. C'est pour bientôt parce que j'ai vraiment des personnes qui me soutiennent. Je vais citer quelques noms. Il n'y a pas de souci. Je vais citer quelques noms. Je vais parler de M. Gaëtan Lako, qui est un soutien dans l'homme. Sa Majesté, Diderot Moïse Nguéa. Sa Majesté, Moïse Nguéa Diderot, un soutien de l'homme. Je vais citer un aîné comme Automobile. Un aîné dans l'homme. Bien connu. Bien connu. Je vais citer Samuel Tchinda. Samuel Tchinda, un monsieur qui mérite tout mon estime. Et qui t'apprécie beaucoup d'ailleurs. Voilà. Je vais citer un grand frère comme Zintia Tamo Michel, le maire de mon village. Zintia Tamo Michel, le maire de mon village. Mais c'est le même nom là. Oui, Zintia Tamo Michel. Oui, Zintia Tamo Michel. C'est le maire de mon village, Zintia Tamo Michel. C'est ce grand frère. je vais parler de l'honorable du plus jeune député du Mbam, l'honorable de Vendicam. Ouais, ça c'est ceux qui me soutiennent dans l'homme. Ouais. Je vais parler d'une grande soeur ici, Madame Tap. Madame Tap, Duchesse Ntap. Ouais, c'est une grande soeur. C'est les gens qui me soutiennent dans l'homme. Et sans tout faire oublier, Joseph Anoumboué. Joseph Anoumboué, c'est les gens qui me soutiennent dans l'homme. Ouais. Donc, tu peux les appeler à n'importe quel moment. Que c'est... Ils comprennent que non, c'est... Voilà. En tout cas, l'artiste n'est rien sans soutien, il faut le dire. Parce que tout ceci, parce que nous sommes... En tout cas, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il faut insister sur un certain Gaëtan Lako. Gaëtan Lako. Oui. Que je salue au passage. Il faut aussi me voir, monsieur Gaëtan Lako. Il aussi me voit, non? Il faut dire que son ami. Hein? L'ami de mon ami, c'est mon ami. Ça aussi, c'est vrai. Voilà. Efargan, je peux t'assurer, sans vouloir me vanter ou te vanter, tu es un artiste vrai. Merci. Parce que nous connaissons beaucoup de grands frères qui, lors d'une soirée, te disent « Mon petit, tu es bon, mon petit, tu es la mort. » Mais quand toi, tu comprends la façon dont le grand frère est en train de te dire, il y a du fake dans ça. Oui, il y a parce du fake. Parce qu'il est censuré. Il y a beaucoup de nez qui sont hypocrites. Ouais, il y a beaucoup de nez hypocrites. C'est-à-dire qu'il te fait ça, il te fait plaisir, mais alors qu'au fond, c'est pas ça. Ouais. Et dans ça, c'est parce qu'il est en train de viser l'intérêt. C'est très dangereux. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant pour que notre humour, l'humour même, connaisse ne serait-ce qu'une place sous le soleil? Est-ce qu'il faudrait mettre sur pied un syndicat? Est-ce qu'il faudrait mettre une association véritablement solide? Est-ce qu'il faudrait essayer de nettoyer le milieu avec ces usurpateurs dont on a fait allusion tout à l'heure? Est-ce qu'il faudrait? Moi, je crois que vous, en tant que communicateur, c'est votre travail. Moi, je vais plus ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Tu as tout dit. Moi, je crois qu'il faut des vrais gens qui peuvent aider. Parce qu'on ne peut pas être au four au moulin. Les humains camerounais font déjà, se bat déjà trop. On ne peut pas être artiste et producteur. Il y a des venus qui sont artistes et producteurs. Moi, je tiens un coup de chapeau et tout. C'est pas facile. Je crois que l'artiste doit se concentrer bien sur ses tests, sur ses prestations et tout. Le côté production, moi, je crois qu'il y a des gens qui doivent se battre pour essayer d'aider les artistes et tout. Ouais. On ne peut pas être. Chanteur, bassiste et tout ça à la fois et tout. Je crois qu'au Cameroun, le Cameroun est le premier pays africain où on retrouve tout. Ouais. Parce que si tu me dis que, si tu as peut-être 10 artistes africains de renommée, 10 artistes
africain, influent. Ouais. Il y aura au moins 5 Camerounais. Ça, c'est vrai. Il y aura au moins 5 Camerounais. Mmh. Il y aura 5 Camerounais, c'est-à-dire que les artistes africains mondialement connus, mmh, il y aura au moins 5 Camerounais sur 10. Maintenant, Efara, nous sommes presque arrivés au thème de l'émission. Et l'émission voudrait que, à moins quelques minutes ou quelques secondes, qu'on donne le micro à l'artiste en question et que l'artiste se sente à l'aise devant sa caméra. Donc, fais ce que tu veux. Moi, je vais remercier déjà MyAfrica TV. Et je vais dire merci déjà à tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. Et je profite de cette vitrine pour remercier vraiment les vrais gens. Je parle des vrais gens, pas les hypocrites, qui me soutiennent vraiment dans l'ombre. C'est vrai qu'il y a ceux qui n'ont jamais souhaité que je parle d'eux. Sous les feux des projecteurs, mais vous allez sauf que m'excuser parce que je vais parler de vous. Je vais parler de vous. Je vais parler de ce Gaëtan Lako. Merci énormément pour ce que tu fais pour moi depuis beaucoup d'années. Je vais parler de Sa Majesté Diderot Moïse Nguéa. Merci beaucoup Sa Majesté Diderot Moïse Nguéa et Madame Nguéa. Merci au grand frère Automobile, un fort soutien qui n'a pas seulement soutenu Efragan, qui a soutenu beaucoup d'artistes camerounais. Monsieur Samen Tinda, je vous dis merci. Monsieur Zintia Tamou Michel, le maire de la décentralisation, merci énormément. Merci à Joseph Anomboué. Merci à l'honorable, le plus jeune député du Mbam, l'honorable Dévé Mama Ndikam. Merci beaucoup. Merci à ma grande soeur, Duchesse Ntap. Madame Ntap, merci beaucoup, grande soeur, pour ce que tu fais. Je crois que Je ne vais pas être très long. Je vais remercier tous les fans. Tous les fans. Tous les fans. Et on va sortir avec cette blague et tout. On va sortir avec cette blague. À Douala, il y a quartier et quartier. Il y a quartier et quartier. Il y a des quartiers quand on t'invite, avant d'entrer dans ce quartier et tout, il faut faire très attention. Je suis allé à Bilongue l'autre jour. Je descends la moto à Bilongue, j'envoie la main dans la poche, je veux sortir les jetons pour donner aux Benskineurs, mais en sortant mes jetons, c'est mon billet de 10 000 qui a fait presque 6 mois dans ma poche qui est tombé. Et les gars étaient à côté, les gars me guettaient. J'ai posé le pied sur mon billet de 10 000. Comme les gars me guettaient, j'ai posé le pied sur mon billet de 10 000. 6 minutes après, quand les gars sont partis, je suis content. Je soulève mon pied pour ramasser mon billet de 10 000. Je vous assure, c'est 4 ans. Pendant que je regardais à gauche, à droite, il y a un salopard depuis Dakar qui a creusé le tunnel en bas de ma chaussure. Le gars a ramassé le billet de 10 000, a fait la monnaie. Il m'a dit, ici nous sommes très polis. Les 400 francs vont t'aider pour rentrer dans ton quartier. Donc ils ont fait la monnaie pour me laisser 400. Merci beaucoup à MyAfrica TV. Ouais. Et à ceux qui nous ont regardés, je vous dis merci déjà. Et ceux qui soutiennent, les vrais soutiens, qui soutiennent les artistes camerounais, je vous dis merci, je vous dis infiniment merci. Je vous dis merci, merci du fond du cœur. Merci infiniment du fond du cœur. Infiniment du fond du cœur. Merci à M. Gaëtan Lako, merci à Sa Majesté Diderot Moïse Nguéa. Merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites tout pour moi. Merci beaucoup. Allez, c'était mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci, remets mon micro. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, on a eu chaud. C'était Efragan et il s'est livré à nous. Il a tout dit et comprenez que c'est un citoyen qui a compris l'utilité de vendre plus cher son art et de vendre lui-même artiste plus cher. Et c'est pourquoi il s'est penché vers les personnes
qui naturellement remarque et apprécie son immense talent. Comme je dis bien, on aura besoin de faire 50 ans dans l'humour pour avoir de talent, mais le talent c'est inné, on ne fait que développer tout le temps. Merci et à très bientôt pour un autre numéro. Mais bien avant de partir, j'aimerais remercier notre très cher Kola Ziaku depuis la Californie qui est fidèle abonné de MyFrica TV. Je vais saluer également Chinel, je vais saluer Arnel, je vais saluer Stéphanie Began depuis Gabon. Je salue tous les abonnés de MyFrica TV, surtout faites-nous confiance. Invitez vos amis à venir également s'abonner afin que nous grandissions ensemble. À très bientôt pour notre numéro. Je vous laisse avec le comprimé déjà pour prendre la prévention. Efferagor, s'il vous plaît. Efferagor. Oui. Oui, allô. Oui, Sidof. Oui, Sidof. Oui, non, c'est bien Efferagor que tu avais. Voilà, ça tombe même bien. Tu m'appelles au moment où il fallait m'appeler. Oui. Tu sais pourquoi l'Égypte est devant nous en matière de foot en Afrique? C'est parce qu'en principe, les codes qui sont passés au Cameroun, ils sont têtus. Les gars n'ont pas voulu m'écouter. Il y a l'autre que Citron avait amené au Cameroun. On l'appelait Paul Le Guen. La Coupe du Monde se joue en Afrique. On lui donne les conseils, il n'écoute pas. Sidof, ouais. Maintenant, c'est le moment de m'écouter. Oui. Vraiment, honnêtement, le conseil que j'ai à te donner ce soir, ne fais plus comme Paul Le Guen. Si tu veux qu'on parle devant l'Égypte, oui, je parle du football, tu écoutes, non? Oui, suis-moi attentivement. Tu sais pourquoi les Brésiliens jouent bien au ballon? C'est parce que tous leurs noms se terminent par O. Oui, c'est pourquoi ils ont jusqu'à 5 Coupes du Monde. Oui, les vrais Brésiliens qui jouent au ballon, leurs noms se terminent par O. C'est pourquoi ils sont forts, tu vois, c'est la magie, c'est le nom. Bon, si je m'en écoute les noms brésiliens, au Brésil, on a par exemple Zagallo, Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto, Ronaldinho, Lucio, Brandão, Pato, Luis Fabiano, Coutinho, Felipe Melo, Marcelo. Si tu fais la même chose au Cameroun, je t'assure, non, la Coupe du Monde même c'est rien. Au Cameroun. On n'a pas les noms qui se terminent par O. C'est le Sonenga comme Stéphane Tato, Thomas Nkono, Bedimo, Chupo, Ngemo, Webo, Asu Ekoto, Samuel Eto. Tu peux même ajouter Manu Dibango, Wes Madiko, Katino, Chimitoro, Ama Piero, Ezaboto, Bojiko, Honorable Manfo, Ato. Qui, Madame Foni? Si elle vivait, oui. Ouais, si elle vivait, on pourrait enlever Ning, il restait Mafo. Elle pouvait jouer. Qui, Mendoza? Si on enlève Zé, il restait Mendoza. Tu crois que s'il porte le show, c'est quel blanc qui aura le cas de se placer en route? Ça nous fera un bon avant-centre. Ça tombe même bien parce que la CAN se joue au Cameroun. La CAN se joue au Cameroun, il faut que ça reste au Cameroun. Pardon? Je n'étais pas au Cameroun. On a retiré. Et ce que je suis en train de sucer là, c'est quoi? Ne me dis pas ça. On a arrêté la canne que ça part où? Comment les Camerounais sont tous les ennemis de leurs propres frères comme ça? Amad là, ce n'est pas un Camerounais. Oui, quand on dit Madagascar, ce n'est pas après le rond-point Dakar là-bas. Non, c'est vrai que les Camerounais sont méchants.
En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Sidov, tu m'annonces un truc qui me cogne le dos là. Je vais souvent te rappeler. J'étais pas au courant. Et je suis au téléphone aussi depuis ce me. Je ne suis pas un gâchis. J'ai acheté la Kanska. Je suis venu avec un peu pour vous. Grand partagez à tout le monde. Je ne suis pas un gâchis. Partagez à tout le monde. Il faut avoir l'esprit de partage. Partagez. Mais Amman nous a eu. Voilà comment subitement la canne devient amère à ma bouche. Amat. Tu as tué le pays. Ça. Oh, dis donc. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse, hein. C'est l'euphorie de la canne comme ça. Mais Amat, là, c'est un maudit. C'est un maudit. La canne devient subitement amère dans ma bouche, c'est pas possible. Mon frère, arrête-moi ça. Bon. On m'a présenté, on n'avait pas applaudi, c'est pas grave. Et tout, si on pouvait applaudir, ça allait faire du bien. Bonsoir. Vous allez bien? J'ai jamais compris le spectacle où les gens payent tout, l'entrée et tout. Ça m'intrigue souvent. T'as dit, tu arrives à un spectacle, tu vois, les riches sont assis devant. Et les pauvres sont loin au fond. La pauvreté, c'est quelque chose, hein? Et dans la vie, hein, les pauvres souffrent beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il est costaud. Le riche est costaud. C'est pas même appellation, hein. Le riche qui est costaud, quand il passe au quartier, tu entends, oh, le boss, le boss, le boss, plaisir. Quand le pauvre passe, tu entends, non, voilà le gros qui passe. La pauvreté. Et la pauvreté que vous entendez, c'est quelque chose qui se contamine. Tu ne peux pas être dans une famille. Le premier, la famille a échoué. Tu vas faire la magie pour réussir comment? Moi, je suis dans une famille comme ça. Mon premier grand frère est vacaté à l'école, à la mission catholique au village. Il a 39 000 au mois. Comme un camionneur, quand il s'assoit quelque part, il tire ses frères. Le deuxième est vigile. Même école. Il a même eu le courage de me proposer être agent d'entretien dans la même école. J'ai préféré faire rire. La pauvreté. Si vous êtes pauvre, hein, mourrez. On quitte ça. Et c'est pareil même chez les femmes. Chez les femmes, hein. Quand tu vois, quand vous voyez les femmes marcher, tu vois deux copines. Il y a une riche, une pauvre. Quand ils entrent dans un shopping, la riche demande le prix d'une chaussure. La pauvre, elle est là derrière, elle appuie. Marco, c'est bon jusqu'à... Elle espère qu'on achète deux, on donne sa part. Je vous assure, c'est la catastrophe. Quand deux filles fauchées marchent ensemble, deux filles pauvres, quand ils marchent, c'est la catastrophe. Quand ils arrivent dans un shopping, l'autre demande le prix de la chaussure. Tu entends celle qui est derrière pauvre, elle dit, Marco, c'est cher jusqu'à... Alors... L'argent, c'est quelque chose. Mais je ne vais pas m'attarder sur la pauvreté. Parce qu'honnêtement, s'il fallait choisir sa famille, s'il fallait choisir une famille... C'est que je suis le premier fils de monsieur le maire Lengue Balapa. Je vous assure, c'est que mon héritage ne souffre de rien. Premier fils. Ou le petit frère de Siri Bojiko. Je vais prier Dieu qui meurt avant moi. Comme ça, je gère Balapa en attendant que ses enfants grandissent. Et on vient me chasser sur ça. Parce qu'un Camerounais, on chasse toujours. On ne part jamais de notre propre volonté. Pas évident. La pauvreté. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Ferragan,
Longuet, Longuet te cherche. Si vous voyez Longuet, Longuet, dites à Longuet, Longuet que Efferagan te cherche. Ben voilà un artiste, moi j'ai pas compris son parti politique. Il était derrière Akeremouna. Akeremouna lui-même, il a vu le danger. Il a abandonné le parti. Il a retrouvé Kamto. Maintenant, Longuet, Longuet derrière qui maintenant? Après, on dit que Longuet, Longuet est fou. Longuet, Longuet est fou. Donc, aujourd'hui, vous avez vu la folie de Longuet, Longuet. Hein? Vous avez vu la folie de Longuet, Longuet dans une chanson. Comment Longuet, Longuet dans une chanson pouvait venir nous dire? Quand Longuet, Longuet commençait à chanter, il n'y avait personne. Il chantait devant les chaises. Les musiciens camerounais, je ne comprends pas. Oui, donc quel problème? Donc quel point? Je ne comprends pas. J'ai fait un spectacle en janvier avec le grand frère Papillon. C'est là que j'ai compris qu'il y a des musiciens camerounais qui racontent leur histoire, mais en chanson. On arrive en bois de nuit en janvier. Janvier, c'est le mois le plus dur. Quand on me donne le micro, je monte sur la scène. Je ramasse tous les 500 qui allaient dans la salle. Et tout, c'était vide. On a annoncé Papillon. Parce que après moi, c'est Papillon qui faisait son show. Voici pour vous, Papillon. Papillon est monté sur le truc, il a commencé son show. Asaki, Asaki, ça, Asaki, oh. Asaki, Asaki, oh. Pas de farouteur. La clim en boîte, le ventilateur tourne. Papillon a commencé à transpirer. Asaki, Asaki, ça, Asaki, oh. Asaki, rien. Il y a un monsieur qui a vu la sueur couler sur le front de Papillon. Il a eu pitié de quelqu'un qui souffrait. Il s'est levé avec un billet de 10 000, il a donné à Papillon. Quand Papillon a vu 10 000, rapidement, le gars a cherché le nouveau farouteur. Ah, qui le tout? Ah, qui le tout? Personne ne s'est levé. Papillon est rentré chez le gars qui a donné 10 000. La musique a changé. Fini ce que tu as commencé. Les musiciens camerounais sont trop inspirés. Et c'est pour cette raison, à Douala par exemple, il y a une très bonne ambiance à Douala. En journée, quand vous baladez, Douala est une ville bien. Vous arrivez dans tel carrefour, vous allez écouter une chanson. Rond-point de Douala, une chanson. Les copies de Douala, une chanson. En scène d'Ali, pas une chanson. Même à Bonabé, les gars chantent. Vous arrivez au rond-point de Douala à 14h, si vous êtes attentif, voici la chanson que vous allez écouter au rond-point de Douala. Chikom tengne boya, chikom tengne boya, chikom tengne boya. Chikom tengne boya, manfe kumba, manfe kumba, manfe kumba. Sarouès, 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 Sarouès. Ça, c'est le rond-point de dos. Laissez maintenant le rond-point de dos aller à Dalip. Le disque change. Village, village, village. Et nous devons passer entre bi. Bonadis, 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 Bonadis. Quand vous laissez Dalip, on va à l'école de dos. La chanson change. Sari Koto Blok. Sari Koto Blok. Sari Koto Blok. Le poum. Le poum. Le poum. Le poum. Derrière tout ça là, ça m'a touché. C'est quand je suis arrivé à Bonaberry, à l'époque de Cargo. Quand mon tobo Cargo sautait à 5 pour aller au boulot. Quand il a mangé le matin, il a bu de l'eau, il a encore l'énergie. La voix sort. Le gars assis à l'intérieur du Cargo, pendant que Cargo roule, le gars chante, on l'écoute. Rompe au fond de côté marché, rompe au fond de côté marché, rompe au fond de côté marché. Rompe au fond de côté marché, rompe au fond de côté marché. Venez voir le motoba qui crie à 14h à 18h. Quand la voix ne sort plus, le gars est fatigué. Mais la stratégie pour appeler les clients, c'est quoi? Alors là, c'est un doigt qu'on voit en l'air. Ça rend ceci. Comme ça, c'est marché central. Comme ça, c'est Ndokoti. Comme ça, là, c'est quoi? Comme ça, c'est quoi? Et Ferragan, c'est mon nom. Ça a été un peu mal de parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bravo, petit.